Bonjour, c'est Franck Leclou. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon piano. Je l'ai déballé dans une vidéo, alors n'hésitez pas à aller la voir. Bon, alors aujourd'hui, c'est un piano, tout ce qui est normal. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux boutons, tous les boutons qui sont là. Je connais pas tout. Bon, on va commencer par ici. Donc là, vous voyez, c'est le piano. C'est, je sais pas quoi, l'orgue. Là, attendez, donc déjà là on a le bouton en route, là il y a le volume, c'est marqué là, volume. Après là on a l'orgue, le harpsichord, je sais pas c'est quoi, strings, ça c'est bien. Bon voilà. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Et après, il y a encore d'autres sons, là. Donc, on va faire deux. Et après, on peut appuyer sur toutes les touches du piano, tout là. Et après, vous pouvez lâcher pour... Par exemple, je vais prendre ce son. Puis là, je lâche. Ça fait exactement ce son. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal comme piano. Le chat, il est accroché dans le casque. Ah, bon, c'est pas... Attendez, je reviens parce que mon chat est un peu fou, donc... Voilà, c'est bon, j'ai réglé le problème. Mon chat s'est accroché dans le casque. Bon, après, là, on a des rythmes. C'est bizarre, je sais. On appuie et on choisit le rythme sur les touches. Je vais mettre plus fort. Voilà, vous voyez. On peut changer. Je peux mettre ça aussi. Après, on a de la musique, là, regardez. Là, on va mettre la lettre à l'île sur ce bouton, ici. Sur lui, là. Voilà. On va mettre la marche turque aussi. Côté. Les quatre saisons. Je sais plus c'est où. Voilà. C'est pas mal ce piano. Je trouve, moi. D'ailleurs, les quatre saisons. Tout va tomber, j'en suis sûre. Les quatre saisons, je les ai ici. Regardez. The Four Seasons Spring. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, sur repose partition. Bon, voilà. Par contre, là, après, on a. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Après, là, on a un métronome. Écoutez. Voilà. Pour ceux qui savent pas jouer. Ah. Moi non plus. Bon, là, c'est le setup. Bon, par exemple. Là, vous voyez métronome volume, et là, il y a le sustain. Vous voulez ? Là, j'appuie. Ça fait juste une fois. Ça fait pas, ça continue pas. Là, après, j'appuie sur fonction. Et là, c'est marqué sustain. Et j'appuie sur la touche du sustain. Vous voyez, ça fait un bruit. Là, ça fait... Et ça continue. Voilà. Et moi, je préfère pas. Pardon. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. Et le bouton fonction, c'est pour faire tout. Mon chord mode, c'est mon préféré. Rythme, volume, son de compte. Je sais pas à quoi ça sert. Son de volume. Bon, le volume, il est juste là. Ah oui, bah, c'est pour le volume. Bon, ok, j'ai pris. Après, on a le tempo, tout le long. Après, on a le métronome volume. Sustain, reverb, transpose et le tuning. Voilà, c'était tout pour ce piano génial. Magnifique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Bye bye.